Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous montrer comment résoudre le Rubik's Cube 4 x 4 4. Alors pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo pratique 3 x 3 x 3, je vais remettre l'échelle qui va s'afficher sur l'écran. Donc voilà. Ainsi. Donc à chaque fois que je dis quelque chose, c'est dans le sens des aiguilles d'une montre. Sinon, il y a un petit prime qui se rajoute, ça veut dire que c'est dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Bon, alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment résoudre les quatre parités des coins. Il se peut qu'à la fin, une fois que vous ayez fait votre face jaune, vous retrouviez avec ça, c'est-à-dire ce coin-là est mauvais, celui-là est bon, celui-là est mauvais, celui-là est bon. Si vous en avez deux bons, deux mauvais. Donc, là, si vous faites la technique du 3 x 3 x 3, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il fallait trianguler. Sauf que là, si on triangule, on va peut-être en remettre un bien, peut-être un autre bien. Il y en aura encore un de mauvais. Donc, il va falloir résoudre un cas de parité. Bon, il y a une formule, un algorithme qui existe pour remettre ça, mais il est très long. Donc, moi, j'ai eu vent d'une petite technique qui permet d'enlever ce cas de parité, qui est très courte, très facile, mais malheureusement, le problème, c'est qu'elle va enlever l'orientation de notre croix jaune. Donc en fait, une fois qu'on aura fait cette technique, il faudra refaire la croix jaune, puis il faudra remettre les coins. Donc la petite formule va s'afficher en bas. Donc il faut prendre son cube comme ça. Alors, ça nous donne d au carré h au carré. J'y arrive, voilà. D au carré. H et petit h au carré. D au carré. Et h et petit h au carré. Et donc là, bon, a priori, on voit pas trop de choses, à part que là, on voit qu'il y a trois coins mauvais et un de bon, c'est-à-dire que le coin de parité semble être enlevé. Seulement, là on voit que le bleu est mal placé et le vert est mal placé. Donc, c'est ce que je disais auparavant, il va falloir remettre bien notre croix jaune. On va la remettre en vitesse. Donc, là, on va remettre notre face jaune correctement. Hop. Hop. Voilà, donc là on en a 4 de changer, donc on fait une des deux formules qu'on connaît, n'importe laquelle. Et donc là, comparé à tout à l'heure, on en a 3 de mauvais et un bon. Donc on va trianguler, comme dans le 3 x 3 x 3. Et normalement, on devrait arriver à ce qu'on veut. Donc, là, bleu, orange, il va là. Il va là. Donc, c'est dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc, faisons-le. Hop. Hop. Et voilà, on a pu finir notre Rubik's Cube. Voilà, maintenant vous savez résoudre le Rubik's Cube 4 x 4 x 4, ainsi que résoudre les 4 parités. À bientôt pour d'autres vidéos.